États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui est un grand pays et qu'on en vit. Les États-Unis ont connu la guerre. Entre le nord et le sud des États-Unis. Cette guerre-là, elle a duré 4 ans. 12 avril 1861, 9 avril 1865. Mais le nord des États-Unis qui a gagné la guerre, il y a eu 359 000 morts. Je n'ai pas dit 3 000 morts. Hein. 359 000 morts pour le nord. 258 morts pour le sud. Vous faites le calcul. C'est près de 600 000 morts sont mis ensemble. Aujourd'hui, ils sont un grand pays. Est-ce que nous, les Ivoiriens, on n'est pas capable de tirer les leçons de ce qui nous a divisé hier pour que nous aussi, notre pays soit demain un grand pays? C'est pour ça que je le promets. Avant que vous ne partiez, puisque vous m'avez lancé une invitation, bien sûr, je viendrai là-bas. Je viendrai à Danamé. Je viendrai à Biakouma. Je viendrai à Longualé. Parce que là où il y a des Ivoiriens, moi, j'irai là-bas. Vous êtes là et mes parents sont là. Les petites querelles de positionnement, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vois trop loin. Les gens sont dans le présent. Ils sont dans le moment. Ils sont dans l'instant. Moi, je suis dans le futur. Mais je ne veux pas diriger un pays divisé. Je ne veux pas diriger un pays où les gens se tuent chaque jour. Là où il y a la guerre, on ne construit pas. Là où il y a la guerre, on ne développe pas. C'est pourquoi j'appelle à la paix. Regardez, avant-hier, le vice-président du PPACI est allé au nord, à Kani, et on l'a empêché de parler. C'est la preuve qu'il y a encore des problèmes à régler. C'est la preuve qu'on doit insister sur la campagne de la paix. C'est la preuve qu'on doit insister que la démocratie, c'est le jeu des contradictions. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour condamner le fait qu'on ait empêché un citoyen ivoirien de surcroît responsable d'un parti politique de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Partout, partout, un Ivoirien, il est libre d'aller et de venir là où il veut en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas empêcher quelqu'un de parler. 2025 n'est pas loin. Si on commence comme ça, ça fait déjà peur. Je voudrais lancer donc un appel à tous nos responsables politiques, à toute la classe politique. Tu viens, tu parles aux Ivoiriens, tu dis ce que tu veux faire, après tu quittes là. Un autre vient, lui aussi, il dit ce qu'il veut faire. Et puis il s'en va. Et les Ivoiriens ont toute la latitude de décider après à qui ils veulent confier leur destinée. C'est ça qui est la démocratie. C'est pourquoi je condamne ce qui s'est passé à Kani. Parce que moi aussi, bientôt, je vais aller au nord. Quand on frappe le Magouya, le lézard s'apprête. Quand on frappe le Magouya, le lézard s'apprête. Déjà, ce que tu as vu, tu dis, et moi, qu'est-ce qui m'attend? Je souhaite donc que nous donnions la main et qu'on permette à chaque Ivoirien de s'exprimer. C'est pourquoi je me promène. Rejoignez-nous au projet.